Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement importante. Restez très très attentifs à ce qui va suivre, puisqu'aujourd'hui nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités qui composent SauciLoop. SauciLoop, c'est votre outil Facebook marketing tout en un. SauciLoop, c'est vraiment le logiciel indispensable pour booster ses revenus si vous avez aujourd'hui une entreprise en ligne. Alors concrètement, aujourd'hui, si vous avez un business sur Internet, vous le savez, vous devez avoir une présence sur le web. Que vous ayez une entreprise physique ou une entreprise virtuelle, vous devez avoir une présence sur le web. Si vous n'avez pas de présence sur le web aujourd'hui, vous laissez de l'argent sur la table, ce qui est vraiment dommage. Concrètement, sur Internet, il n'y a pas vraiment de problème de trafic. Le véritable enjeu va être d'acquérir du trafic ciblé et qualifié, et de transformer par la suite ce trafic en client, de convertir ce trafic en client et donc en vente. Et c'est là que SauciLoop rentre en jeu, puisque SauciLoop va vous permettre d'acquérir plus rapidement du trafic et de convertir plus rapidement et plus facilement ce trafic en client. Deux enjeux que vous avez aujourd'hui quand vous avez une présence sur le web, c'est d'acquérir du trafic et de convertir du trafic. Acquisition, conversion. Acquisition, conversion. Ce sont les deux volets les plus importants qui détermineront votre chiffre d'affaires et donc vos bénéfices. Cet outil concerne véritablement Facebook, puisque Facebook est la plateforme numéro 1 en termes de trafic. D'accord? Sur Facebook, il y a du trafic en masse. Facebook comporte également la plus grande base de données au monde. Donc c'est vraiment sur Facebook où vous allez pouvoir générer un maximum de trafic et recruter un maximum de trafic et puis le convertir. D'accord? Donc on va voir ça ensemble. Concrètement, SauciLoop, ce n'est pas un logiciel que vous allez devoir télécharger et installer sur votre ordinateur. Tout se passe en ligne, tout se passe dans le cloud, comme on dit. Ça signifie que depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel point du monde, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et continuer à travailler, à gérer vos business. Si vous êtes par exemple en Asie et que vous avez oublié votre ordinateur chez vous, vous pouvez vous rendre dans un cybercafé et vous connecter à votre compte SauciLoop. On va se connecter pour voir ensemble comment ça se passe. Ici, vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe. Voilà, je rentre mon mot de passe, hop, et je me connecte. Voilà, donc une fois connecté, vous vous retrouvez ici sur votre dashboard, d'accord? Alors ici, tout est en anglais, mais comme vous voyez, c'est très 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 simple. Et en rejoignant la SauciLoop Academy, vous aurez donc la formation complète sur le logiciel en français, évidemment, ainsi que 5 formations bonus pour pouvoir développer votre trafic sur le web, sur Facebook, ok? Donc pas de panique si vous êtes vraiment, nul en anglais. Vous serez littéralement pris par la main et vous verrez étape par étape comment utiliser ce logiciel. Donc ici, vraiment, cette vidéo, c'est pour vous montrer dans les grandes lignes comment ça se passe et quels sont les différents outils. Vous avez ici donc votre tableau de bord où vous allez pouvoir suivre vos statistiques. Alors ici, ce sont des comptes de démonstration pour que vous puissiez bien voir ici. D'accord? Donc dashboard pour le tableau de bord. Ici, vous avez le post manager. Le post manager va vous permettre concrètement de publier vos posts et de programmer la publication de vos posts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec SauciLoop, vous pouvez gérer plusieurs comptes Facebook en même temps. Vous pouvez gérer plusieurs pages Facebook, c'est-à-dire si vous avez un compte Facebook qui possède plusieurs pages, vous allez pouvoir les gérer en même temps. Et si vous avez plusieurs comptes Facebook, vous allez pouvoir les gérer. Par exemple, ici, quand on va dans My Account, pour mes comptes, hop, vous vous retrouvez ici avec différents comptes. Si vous avez plusieurs comptes, il vous suffira de cliquer ici sur Import Account pour pouvoir connecter tous vos comptes Facebook. Si par exemple vous êtes un community manager et que vous devez gérer plusieurs comptes Facebook de plusieurs de vos clients, vous allez pouvoir le faire depuis un seul interface avec SauciLoop. D'accord? Donc vous avez un compte Facebook avec différentes pages. Donc ici ce sont des comptes test, des comptes démo pour pouvoir faire cette démonstration. D'accord? Et sur un seul compte, vous pouvez avoir plusieurs pages Facebook que vous allez pouvoir gérer. Et ainsi, vous allez pouvoir gérer tous vos business en ligne, surtout si vous êtes dans des niches vraiment différentes les unes des autres. Voilà. Donc ici, vous avez le Post Manager qui vous permet
de programmer la publication de vos posts, d'accord? Donc ici, vous avez le Content Tool qui vous permet donc de détecter les posts viraux du moment, ce qui cartonne en ce moment sur Facebook. Ainsi, vous allez pouvoir vous en inspirer pour créer vos propres posts à vous. Alors, surtout, ne faites pas de copier-coller des posts que vous avez trouvés, puisque Facebook le sanctionne, mais vous pouvez vous en inspirer librement pour pouvoir créer vos propres posts et ensuite les publier par la suite et surfer sur les buzz. Grâce à cet outil, vous saurez exactement ce qui buzz actuellement dans votre niche et ainsi vous allez pouvoir créer vos posts en fonction. Alors ici, c'est la fonction images cliquables qui vous permet de rendre vos images cliquables. Ça signifie que vos prospects, quand ils vont voir votre annonce, votre post, votre publication, que ce soit une publicité payante ou virale, ben, vos prospects vont pouvoir cliquer directement sur l'image pour atterrir vers votre offre. C'est-à-dire qu'actuellement, avec Facebook, quand vous faites une publication ou une publicité, vous avez l'image et en dessous, vous avez une description avec un appel à l'action, un bouton d'appel à l'action. D'accord? Donc, du coup, vos prospects sont tout obligés de cliquer dans la description pour cliquer sur un lien ou alors de cliquer sur le bouton d'appel à l'action. Ici, vous allez pouvoir rendre votre image directement cliquable. C'est-à-dire que vous pouvez créer une image avec un logo dessus et on voit comment faire ici dans le Content Designer. Okay? Vous allez pouvoir donc créer une image avec un appel à l'action directement dessus pour que vos prospects puissent attirer directement vers vos offres, produits ou services. Okay? Ici, vous avez le live stream qui vous permet de créer, de programmer, de séquencer vos lives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Facebook, vous pouvez faire des lives, mais grâce au live stream, vous allez pouvoir donc programmer vos différents lives. C'est-à-dire que vous allez enregistrer une vidéo à l'avance. Ensuite, vous allez programmer la publication de cette vidéo. Il va passer pour un véritable live. Okay? Ainsi, vous allez pouvoir vous occuper que du chat pour dialoguer avec vos prospects. Ici, vous avez le post éditeur. Donc, très très important. On va aller dessus directement. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Sur le post éditeur, vous allez pouvoir créer des posts qui vont se démarquer du lot. Alors, comment vous allez pouvoir démarquer vos posts du lot? Vous allez pouvoir mettre en gras certains mots, plusieurs phrases de votre texte. On va prendre un exemple ici. Je vais vous mettre un texte. Alors, je vous mets le texte ici. Vous allez pouvoir mettre en gras, par exemple, certains mots. Ici, on va mettre d'avoir un produit qui répond à un besoin concret. Par exemple, ici, on souligne en gras. Hop. Donc ça, ce sont des choses que vous ne pouvez absolument pas faire depuis Facebook directement, d'accord? Il est impossible de faire ce genre de choses sur un post Facebook directement. Alors qu'ici, vous allez pouvoir mettre en gras, vous allez pouvoir même surligner ici, vous allez pouvoir mettre en italique certaines phrases, en gras en italique certaines phrases, comme vous voulez. Et donc, du coup, quand vous allez faire des publications de ce type, que ce soit en publicité payante ou en publication virale, vos publications vont forcément se démarquer du lot. D'accord? Donc, un post comme celui-ci se démarque automatiquement du lot, puisque vous ne voyez pas ce genre de post habituellement sur votre fil d'actualité. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre texte, que vous avez mis en gras ce que vous voulez mettre en gras, vous pouvez rajouter quelques émoticônes directement ici. Quelques emojis par exemple, hop, hop, voilà. Vous cliquez ensuite sur Next. Sur Next, vous faites copier, ensuite vous cliquez à nouveau sur Next, ok. Et ensuite, vous aurez le choix pour le partager sur Facebook. Donc, share post ou Facebook, partager la publication sur Facebook, ok. Donc, vous pouvez le partager en tant que post normal ou en tant que post appel à l'action, c'est-à-dire c'est call to action, ok. En général, je recommande, comme vous le verrez dans la formation Socialoop Academy, vous verrez qu'il est préférable de commencer en normal post, hop, et en fait, cela va vous renvoyer directement vers votre post manager, d'accord. Donc, concrètement, pour faire vos posts, pour faire vos textes, vous allez dans le post editor, ok. Et ensuite, pour programmer ce post, vous allez ensuite dans le post manager ici présent, ok. Donc vous rentrez un nom pour votre campagne, par exemple, on va faire test freecom,
Ok, voilà. On sélectionne une page. Voilà. Ensuite, vous rajoutez une image. Alors, pour les images, pour les visuels, vous verrez que vous aurez ici le Content Designer, qui est une sorte de canevas où vous allez pouvoir créer rapidement et facilement des designs qui cartonnent. Donc là, vous avez donné un nom à votre campagne, vous avez sélectionné votre page, vous allez mettre par exemple une image. On va choisir une image. Voilà, je vous ai mis ceci loop du coup. Ici, vous pouvez activer des comment bots. Alors, c'est encore un autre outil formidable pour optimiser votre acquisition trafic et surtout pour les conversions. Le comment bot, ce sont des. Donc, le bot, c'est pour robot. C'est un robot que vous allez programmer pour répondre aux commentaires que vos visiteurs, vos prospects vont laisser sur votre publication. D'accord? Donc, vous allez paramétrer, on va voir ensemble, vos commentaires en fonction d'un certain mot-clé. Dès que des personnes mettent un certain mot-clé, vous aurez une réponse appropriée qui sera automatique. D'accord? Vous pouvez programmer le command bot pour des réponses publiques, donc la publication, mais également sur des réponses privées, donc via le Messenger. Évidemment, vous avez ici le Messenger bot pour pouvoir converser avec vos prospects directement via le Messenger et de façon automatique. Là encore, quand des personnes viennent vous contacter sur Facebook via votre Messenger, vous pouvez paramétrer à l'avance des réponses qui vont s'activer en fonction des mots-clés que vont sortir vos prospects, ok? Donc ici, par exemple, on active le command bot. Évidemment, à l'avance, il faut d'abord créer des command bots. On va voir ça ensemble. Et ensuite ici, dans command bot template, vous n'aurez plus qu'à choisir un command bot, ok? Et après, vous devrez donc programmer votre publication. Donc, soit vous voulez que votre publication apparaisse maintenant sur votre page pro, soit vous pouvez programmer cette publication pour qu'elle apparaisse plus tard, d'accord? Par exemple, on va programmer pour le 30 mai. On peut dire par exemple pour le 30 mai pour qu'elle sorte à 18h. Okay? Et vous pouvez le programmer pour le fuseau horaire de votre cible. Si votre cible est en France, par exemple, vous allez choisir GMT plus 1, puisque le fuseau horaire de Paris, enfin de la France métropolitaine, c'est GMT plus 1. Ok? Et voilà, si votre cible est aux États-Unis, ben vous allez pouvoir choisir GMT moins 8, par exemple, si c'est sur la côte ouest des États-Unis, d'accord? Ou alors GMT 5, si c'est sur la côte est des États-Unis. Ok? Alors, si toutefois vous vous êtes trompé entre vos comptes, par exemple, vous venez de vous rendre compte que vous voulez switcher, vous voulez faire cette publication sur un autre de vos comptes, vous pouvez cliquer ici rapidement et changer de compte. Et hop, vous vous retrouvez donc avec votre texte, mais cette fois-ci sur votre nouveau compte avec lequel vous avez choisi votre nouvelle page. Okay? Donc, comme ça, vous pouvez switcher très très rapidement. On clique sur Submit. Voilà, c'est publié. Et maintenant, on peut aller voir notre poste sur la page en question. Et voilà. Donc là, nous sommes sur la page en question et l'on retrouve exactement notre poste. Okay? Donc là, comme vous voyez, les textes que l'on a mis en gras apparaissent bien en gras, chose qui est impossible à faire sur une publication normale Facebook. Okay? Donc avec Saucy Loop, vous allez pouvoir vraiment créer des textes qui vont se démarquer du lot absolument. Donc, de retour ici sur Saucy Loop, vous avez, donc, comme je vous disais, le command bot. Vous allez pouvoir donc créer des bots templates, donc des séquences de commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer ici sur New Template, OK? Vous donnez un nom à votre commentaire, test comment freecom. Yes, c'est-à-dire qu'ici, si vous voulez qu'il y ait des commentaires qui s'activent à chaque fois qu'un utilisateur parle, ok. Ici, le comment like, c'est pour qu'il y ait des commentaires directement quand des personnes mettent des likes. On va laisser son nom. Ici, on va mettre sur oui. Et ensuite, on peut choisir le type de commentaire. Donc, ça peut être soit un commentaire par défaut, c'est-à-dire que dès que quelqu'un parle, dès que quelqu'un laisse un commentaire sur votre publication, vous pouvez mettre par exemple, salut, merci de votre intérêt. Quelle est votre question, par exemple? Quelle est votre question? Ou plutôt, comment pouvons-nous nous aider, par exemple? Ou alors, si vous avez intérêt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà. Et comme ça,
Soit dit en passant, vous pouvez mettre ici le prénom de la personne, par exemple, qui a laissé un commentaire, ok? Merci de votre intérêt, etc. Hop, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, on va mettre un vrai émoticône ici, voilà, hop, et c'est bon. Ici, vous pouvez refaire la même chose donc en privé, c'est-à-dire que la personne va recevoir un message via le Messenger ici. Ok, donc ça sera une réponse automatique. Et alors, évidemment, vous pouvez créer des bots pour, vous pouvez créer des templates pour des réponses basées sur des mots-clés. Ça signifie que quand des personnes, par exemple, mettre comme mot-clé aide ou alors faire des mots-clés qui sont relatifs à votre thématique, vous pouvez créer des commentaires spécialement pour ces mots-clés. Ça signifie que quand des personnes laissent des mots-clés, eh bien, le robot va se charger de répondre automatiquement à cette personne sans que vous n'ayez plus rien à faire. Okay? Donc voilà, ensuite vous cliquez sur sauvegarder et votre template va s'activer automatiquement. D'accord? Évidemment, si je montre tous les aspects du logiciel, la vidéo sera très très longue. Je réserve ça donc pour la SociLoop Academy. Sinon, vous avez la même chose pour le Messenger. Donc, sur le Messenger, il faut d'abord donc activer vos pages. Donc, vérifier que vos pages sont bien activées pour le Messenger. Donc, Activate Page. Voilà. Et on va cliquer sur Enable pour activer ici. Bon, celui-ci aussi, cette page-ci aussi. Voilà. Ensuite, une fois que votre page est activée, vous allez pouvoir vous rendre ici et aller dans Automation pour pouvoir créer une séquence de réponses automatique en fonction d'un mot-clé, par exemple. On va voir ça. Donc ici, on clique sur Add Automation. Hop. Voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez mettre donc des automations, donc des réponses automatiques pour des mots-clés spécifiques. Ou alors des réponses par défaut, c'est-à-dire quand quelqu'un vous contacte mais qu'il n'y a pas de mot-clé qui ressort. Donc ici pour commencer, ou alors ici des templates, si vous avez créé des templates ici en allant dans Bot Template. Okay? Donc on va choisir ici dans Keywords, Automation Name, on va mettre par exemple test, même pas test plutôt, mais aide par exemple. Ici donc le mot-clé. On va mettre aide, on va mettre besoin, on va mettre urgence, urgent. Ça sera suffisant, besoin d'aide, hein, ok. Même aide au pluriel. Voilà, et pourquoi pas help. Voilà. Donc ensuite, vous allez mettre un texte, par exemple. Ou alors un texte avec bouton, du style bonjour. Alors bonjour avec le prénom. Vous pouvez vous référer par exemple, vous pouvez vous référer, vous pouvez vous rendre sur notre page de support où vous trouverez les réponses, où vous trouverez vos réponses. Par exemple, c'est vraiment juste un exemple comme ça à chaud. Ok? Voilà. Et ensuite, vous mettez donc le lien pour le bouton, ok. On va mettre comme lien freecom-academy. www. Hop. Et ensuite le type de bouton, ça va être. Alors, excusez-moi. Ici, je vais mettre couper. Je vais mettre en savoir plus, je découvre plutôt. Je découvre ici web URL et là je mets mon URL. Hop, et voilà. On peut mettre rajouter plusieurs boutons. Ok, par exemple, ici on voit ici follow this link avec le bouton ici. Je découvre. Voilà, et on peut cliquer sur ce submit pour soumettre l'automation. Ok, on peut rajouter une autre automation en cliquant ici keyword par exemple et on met bonjour par exemple on va mettre comme texte test bonjour et ici on va mettre donc les mots-clés qui seront donc bonjour hello salut et hi voilà tous les mots-clés qui vous passent par la tête. Salut.
Voilà, et là, on met un texte, par exemple, et on met salut avec le prénom, ici, first name pour le prénom. Comment allez-vous? Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons que vous allez bien. Voilà. Comment pouvons-nous vous aider? Voilà. Et ici, ou alors on peut faire autrement. On fait couper. Et on rajoute ici more reply. Encore du texte. Et hop, voilà. Comme ça, cela fera deux phrases plutôt qu'une seule phrase. OK? Et on clique ici sur submit. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir donc créer donc plusieurs types d'automation qui vont vous permettre donc de répondre automatiquement à vos prospects quand ils viennent discuter avec vous et donc de discuter avec eux. En fonction évidemment de leurs mots-clés, vous avez programmé à l'avance différents types de réponses. Donc comme ça permet pour votre page donc d'avoir un excellent taux de réponse et donc du coup d'augmenter dans le reach organique de Facebook. Ensuite, pour vraiment entériner cet engagement, vous allez pouvoir utiliser le broadcasting pour vraiment convertir vos prospects en clients. Alors, autre chose, quand vous allez faire des publications, des publications virales ou des publicités sur Facebook, vous allez obtenir des likes. D'accord? Vous allez obtenir de l'interaction sur vos publications, que ce soit des likes, que ce soit des partages, que ce soit des commentaires. Et bien, grâce à SauciLoop, vous allez pouvoir automatiquement inviter toutes les personnes qui interagissent avec vos publications. Vous allez inviter ces personnes à devenir des fans de votre page. Vous allez les inviter automatiquement à liker votre page. D'accord, qu'il y ait 200, 300, 500 000 personnes qui aiment une de vos publications, qui interagissent avec une de vos publications. En un seul clic, toutes ces personnes vont être invitées à devenir fans de votre page. Et une fois que ces personnes seront devenues fans de votre page, elles seront devenues des prospects. Et prospects que vous allez pouvoir contacter par la suite, toujours via Messenger, pour pouvoir proposer vos offres et vos services. C'est là la vraie puissance de SauciLoop, puisque les taux d'ouverture avec Messenger sont 15 fois plus élevés que les taux d'ouverture via un email. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites la promotion de vos produits par email, uniquement par email, vous perdez de l'argent sur la table puisque vos taux d'ouverture ne seront jamais aussi importants qu'avec le Messenger. Donc, et si vous allez pouvoir paramétrer des auto-répondeurs, vous allez pouvoir communiquer avec vos prospects directement. Par exemple, ici, on clique sur New, on clique par exemple sur Page Campaign. Et si vous donnez un nom à votre campagne, par exemple, ok. Et si vous allez mettre un texte, vous allez faire donc la promotion de votre produit, par exemple, découvrez tout de suite, alors profitez tout de suite. Salut, alors salut en mettant le prénom, d'accord. Voilà. Donc par exemple, salut. Avec le prénom de votre prospect. Aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans de notre marque. Pour cette occasion, nous vous offrons un bon de réduction de 40% sur toute notre collection de montres. Cliquez sur le lien ci-dessus pour en profiter maintenant. L'offre se termine dans 24 heures. Ne tardez pas, ok? Et si vous allez mettre le lien qui renvoie vers votre offre, ok? Et ensuite, vous voyez donc ici, hop, comment est-ce que cela va ressortir? Donc, salut, etc., etc. Aujourd'hui, donc ici, c'est le prénom, hein, tout simplement. C'est le code HTML pour le prénom de votre prospect. Aujourd'hui, nous vous célébrons les 10 ans de notre marque, etc., etc. Ici, vous allez mettre le lien donc, qui renvoie vers votre collection de produits, vers votre produit ou votre service. D'accord? Et vous allez pouvoir donc envoyer soit tout de suite, immédiatement, votre annonce, soit programmer votre annonce pour plus tard. Encore une fois, en choisissant le jour et puis l'heure. D'accord? Et en choisissant le fuseau horaire, très important. Vous pourrez également envoyer des messages test à vous-même, généralement, pour voir comment est-ce que cela fonctionne. C'est vraiment un outil super puissant pour pouvoir faire la promotion de vos produits. Aujourd'hui, avec les emails, vous ne pourrez pas avoir un taux d'ouverture aussi important qu'avec le Messenger. Et si vous suivez toutes les stratégies qui sont incluses dans le SauciLoop Academy, vous verrez comment convertir un maximum de prospects en clients rapidement. D'accord? Je dis bien rapidement.
Voilà, donc là, nous avons passé en revue les principales fonctionnalités de cet outil formidable qui est aussi Loop. Il en manque le content designer, on va voir ça tout de suite. Où en fait, vous allez pouvoir créer tout simplement des designs. Vous disposez de plus de milliers de templates. Alors, on va donner un nom ici, encore une fois, Test Freecom Design. Voilà, Create. Hop. Add a new design. Voilà, donc vous pouvez choisir soit à partir de templates que vous avez déjà créés, soit à partir d'un fichier vierge. Hop. Vous pouvez ensuite customiser donc les dimensions de votre design ou alors les mettre directement aux dimensions de Facebook. C'est vraiment super pour être sûr d'avoir des designs qui ne seront pas hachurés quand vous allez les mettre ensuite sur votre page Facebook. Ok? Donc ici, ben pour cet exemple, on va juste prendre Highlighted Image, ok, donc très très gros. Ici, on dézoome un petit peu, voilà. Et ensuite, vous avez tout un tas de templates pour pouvoir faire vos designs, tout simplement. Donc quand vous voulez faire une publicité sur Facebook, par exemple, si vous voulez faire sur les vêtements, si vous avez une boutique de vêtements. Voilà, donc vous pourrez donc choisir tout un tas de templates. On peut prendre ce template-ci par exemple. Voilà, on peut le mettre à l'image. Voilà, hop. Voilà, après vous pouvez mettre par exemple des citations si vous voulez faire des posts viraux, des citations. Vous avez des milliers de citations dans plusieurs thématiques différentes, que ce soit la romance, l'éducation, les livres, la philosophie, la science, la joie, la religion, la spiritualité, l'inspiration, l'amour, etc., le succès. Vous pouvez mettre également des filtres pour pouvoir embellir votre image. Vous pouvez mettre des objets, même. Vous avez différents types d'objets. Vous pouvez également dessiner en cliquant ici sur Drawing. Vous pouvez mettre des petits dessins sur votre image. Et évidemment, vous pouvez mettre du texte ici pour écrire votre annonce, tout simplement. D'accord? Une fois que ça sera fait, vous allez cliquer ici sur Save pour sauvegarder et sur Export pour exporter votre image sur votre ordinateur. Et vous allez pouvoir ensuite réutiliser cette image dans votre post manager avec des textes mis en gras, etc. Okay? Vous pouvez également utiliser cette image pour la rendre cliquable directement avec le Clickable Image. Okay? Voilà, donc grosso modo, depuis un seul interface, vous allez pouvoir utiliser tous les outils nécessaires pour pouvoir développer au maximum votre présence sur le web. D'accord? Donc cet outil, Siloop, devient vraiment indispensable. Une fois que vous l'avez utilisé, vous ne pouvez plus vous en passer. D'accord? C'est super simple à prendre en main. On voit vraiment plus en détail dans les formations complètes comment utiliser chacune de ces fonctionnalités. Mais grosso modo, vous voyez à peu près ce panel d'outils incroyables qui vont vous permettre de booster au maximum votre business. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, si vous arrivez à acquérir beaucoup, beaucoup de trafic qualifié, et si vous arrivez à convertir ce trafic qualifié en client, alors vous obtiendrez des ventes et vous ferez des profits. D'accord? Trafic, conversion, trafic, conversion, trafic, conversion. Quand vous avez aujourd'hui un business en ligne sur le web, vous devez avoir ces deux préoccupations qui est celle d'acquérir du trafic et de convertir ce trafic. Surtout de convertir ce trafic, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ainsi, vous pourrez obtenir un maximum de ventes et un maximum de produits. Alors si aujourd'hui ce sont vos deux objectifs, si aujourd'hui vous aimeriez pouvoir générer 10 fois plus de trafic vers vos liens sans effort, si vous aimeriez pouvoir faire grimper naturellement votre page Facebook, si vous aimeriez pouvoir décupler vos taux d'engagement en seulement quelques clics, alors Socialoop est le logiciel qu'il vous faut. D'accord? Passez à l'action dès maintenant pour acquérir ce logiciel qui est offert par la Freecom Academy. Il n'y a que 200 licences disponibles actuellement. Il est au prix de 47 euros. D'accord? 47 euros et vous allez pouvoir bénéficier donc de ce panel d'outils ainsi que de 5 formations bonus pour pouvoir développer votre présence sur le web en acquérant du trafic, que ce soit du trafic viral avec des publications virales. On verra ensemble étape par étape comment faire cela et également comment convertir ses prospects en clients et ses clients en clients fidèles, d'accord, pour générer des ventes encore et encore.
D'accord, c'est une offre qui est limitée, nous n'avons que 200 licences actuellement. Donc passez à l'action dès maintenant pour acquérir Sociloop, votre outil Facebook marketing tout en un. Ok, c'est vraiment le genre d'outil que toute personne qui a une présence aujourd'hui sur Internet aurait besoin d'avoir. D'accord, c'est une panoplie d'outils de dingue. Retenez bien que le contenu est roi sur le web. Si vous avez un bon contenu, vous pourrez acquérir du trafic. Et si vous avez des bonnes méthodes de conversion, vous pourrez obtenir des clients. Évidemment, cette offre est garantie, satisfait ou remboursée. En général, vous êtes censé être satisfait, mais si toutefois vous ne l'êtes pas, vous pourrez bénéficier de cette garantie pour demander un remboursement au total des frais que vous aurez engagés. D'accord? Donc, il n'y a pas d'upsell, il n'y a pas de produit caché, il n'y a pas de vente cachée. Aujourd'hui, Sociloop est proposé au prix de 47 € TTC, un paiement une fois, il n'y a pas d'abonnement. Ok, donc c'est vraiment une offre de dingue. Je le rappelle encore une fois, il n'y a que 200 licences disponibles. Donc si vous êtes intéressé par cet outil et par la Sociloop Academy, alors passez à l'action dès maintenant. On se donne rendez-vous de l'autre côté de Sociloop Academy pour commencer tout de suite votre formation. À tout de suite.